Salut à tous. Salut. Je vais attendre un peu, une minute, le temps de. T'es sûr que je reconnais bien en live. J'avais dit que je faisais une vidéo sur OpenAI, je crois, aujourd'hui. Bon, on y est presque. On y est presque, c'est pas ça, mais bon. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur Open Route Service, qui est un outil que vous ne connaissez pas et qui va appeler une seconde vidéo à l'avenir, mais là je vais me concentrer sur Open Route Service. Alors qu'est-ce qu'Open Route Service, à quoi ça sert? Donc aujourd'hui on va un peu voir tout ce qui est géomarketing, mais outil de déplacement, d'aide au déplacement, génération d'isochrones, de matrices de distance et autres, en fonction du mode de déplacement, au travers d'un outil qui s'appelle Open Route Service, qui est gratuit dans une certaine mesure, mais qui est gratuit dans une certaine mesure, on va dire puisqu'il y a une version gratuite et payante. Salut à tous. Mais qui propose un service gratuit là au travers du site web, et dans une seconde vidéo, on verra au travers de QGIS. Aujourd'hui, c'est au travers du site web. Donc, Open Route Service, j'ai du mal à définir ce genre de service, mais c'est un des outils d'aide au routing, au déplacement, voilà, gestion de déplacement, gestion de graphes, voilà, qui propose service d'itinéraire, d'isochrone, de matrice de distance, de géocodage, de POI, de gestion du relief et autres. Donc, c'est basé sur des données OpenStreetMap, donc Open Route Service, qui dispose d'un volet gratuit et d'un volet payant, ça c'est moins cool. Qui dispose d'une API aussi qui peut être requêtée par vos propres services et qui peut être utilisée via QGIS. Donc ça, c'est on le verra par la suite. Enfin, pas dans cette vidéo comment utiliser Open Route Service via QGIS pour générer des isochrones et autres, mais on verra. Aujourd'hui, on va déjà présenter Open Route Service. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas Open Route Service, c'est un service très, très très puissant, même si en France, on peut bénéficier de ces mêmes services via l'IGN. Vraiment orienté données françaises. Ici, c'est un service, je pense, qui se propose comme service mondial. Voilà, vous avez une API, c'est open source. On verra tout à l'heure, vous pouvez télécharger le code source et le mettre en place chez vous, je pense. Alors, j'ai pas regardé ce que c'était exactement que le GitHub. Je l'ai ouvert, mais j'ai pas encore regardé ce que c'était. Donc, qu'est-ce que le GitHub permet de générer une API. D'accord? Donc, on verra après ce que c'est. Donc, Open Route Service. Salut à tous, merci à tous d'être là. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Donc, vous pouvez voir les vidéos en anglais. You can see this video in English, with English subtitle tomorrow. Donc, Open Route Service est un outil d'aide à l'analyse des déplacements, d'accord, qui dispose d'une API et d'un volet interactif web et qui propose pas mal de services, notamment. Donc des services d'isochrone, des API, etc. qu'on peut utiliser soit au travers de leur site web, soit au travers de leur service. Donc un exemple d'utilisation, trouver le lieu de vaccination le plus proche, basé sur cette API. New York Times, where the suburb limits, New York's limits with disability. Donc voilà, donc ça c'est des exemples de cas concrets qui utilisent Open Route Service. Donc c'est basé sur des bases de données open source, open data, notamment OpenStreetMap. L'université d'Heidelberg qui développe ses propres algorithmes dans le domaine spatial. Et donc, comme c'est basé sur OpenStreetMap, c'est disponible partout sur Terre, avec les inconvénients et les avantages d'OpenStreetMap. Je vous oriente vers ma vidéo que j'ai réalisée sur OpenStreetMap pour voir un peu qu'est-ce qu'OpenStreetMap, les avantages et les inconvénients. Donc, quels services sont proposés au travers de leur API? Des directions, d'itinéraires, des isochrones, Pelias Geocoding, donc du géocodage, une matrice de distance-temps, des POI, un service de gestion du relief et optimisation des déplacements. Donc, qui est basé sur l'excellent Verum Project, nous verrons par la suite. Donc ça se matérialise soit par une API, soit par une carte interactive web classique. Une carte interactive web, et vous pouvez, voilà, des cartes de gestion du risque,
notamment dans le domaine humanitaire, c'est responsive. Ouais, et donc les personnes qui utilisent. Alors, c'est pas un placement de produit, hein, je connais pas ces gens-là. Je présente juste cet outil qui a l'air pas trop mal. Et qui propose, voilà, et surtout qui est interopérable avec QGIS, c'est-à-dire qu'on peut utiliser au travers de QGIS. Et on verra ça dans une seconde vidéo. Donc Map Service est là. Donc là, c'est un exemple de données. Donc j'ai l'impression qu'Open Map Service, voilà, est open source et qu'on peut l'interface que vous voyez là, vous pouvez l'installer en local chez vous et la réutiliser pour produire vos propres services. Ah merde. Donc trouver un lieu de vaccination. Donc là, c'est un service basé sur Open Route Service. On va actualiser parce que je crois que je devais faire quelque chose, je ne l'ai pas fait. Donc, je vous mets le lien dans la description sur le chat. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et à, si vous voulez, à devenir, et à, si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, vous pouvez soit faire des dons au travers du chat en bas avec le voyez l'icône dollar, soit devenir membre soutien de la chaîne en vous abonnant, en souscrivant un abonnement mensuel sur la chaîne, abonnement payant. Il y a différentes formules, je vous laisse aller voir. Donc, qu'est-ce que le VOOM Project? Alors, pardon, hein, je suis un peu bordélique, je regarde parce que je ne connais pas trop. Véhicule, routing, open source, optimization, machine. D'accord, c'est un outil. C'est des outils pour qui permettent d'optimiser la gestion des déplacements, notamment véhicules. Donc, Open Route Service. Voilà, donc c'est un outil. Map client, classique map, disaster map. Donc, il y en a trois. On va voir Maps client. Déjà, les cartes interactives possibles. Donc Map, c'est la carte interactive. On verra ça tout à l'heure. On va voir un peu les services un peu plus dans le détail. Et on verra aussi l'API avant de voir le volet carte interactive pour exploiter leurs services. Donc voilà. Donc les services, direction, donc itinéraire, longue distance, utilisé par des professionnels. Le géocodage, les isochrones, ultra utile les isochrones. Il y a une vidéo sur la chaîne sur les isochrones et QGIS, je vous laisse voir. Les matrices de distance. L'élévation et l'optimisation des déplacements en fonction de points, etc., etc. Donc ça, c'est une première chose. Donc voilà, tous les services classiques de déplacement. Vous avez des cartes. Tac, si je clique sur ouais, Maps. Et donc vous avez des cartes, on les verra tout à l'heure. Et vous avez une API. Et nous allons voir les prix et les dashboards. Je sais pas ce que c'est. On va voir un peu tout ça avant d'aller un peu plus dans le détail. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le chat. N'hésitez pas à participer. Je préfère quand c'est interactif. Bon, on va voir le volet. Is free and will stay free for everyone. On peut donner. Donc gratuit. Voilà ce qui est gratuit, c'est le nombre de requêtes. Plus vous faites de requêtes, dépasser ce seuil de requêtes, ça deviendra payant. Mais bon, il y en a quand même pas mal. Hein. Revers geocoding, geocoding autocompletion. Donc voilà. Commercial, on peut utiliser commercialement. Et on peut, et pour avoir l'API, il faut s'abonner. Donc ça, c'est important. Donc voilà, ça, c'était les offres commerciales. Je ne les connais pas, mais voilà. Le service a l'air plutôt pas mal. API, donc là, c'est l'API, les exemples d'API, les exemples de requêtes, il me semble, pour pouvoir utiliser l'API. Après, voilà, c'est ça. Ce sont tous les paramètres et... les requêtes, voilà, donc ça sont sinon une API, on va dire standardisée. Donc voilà, avec tout ce qu'il y a derrière, les isochrones, si je clique sur isochrone, le token d'autorisation. Et là, c'est la requête. Donc comment l'exploiter, comment l'utiliser, etc., etc. Merci pour les likes, merci. Salut Joseph, salut. Voilà comment utiliser le token avec les paramètres, etc., etc. La matrice, donc voilà. Ça c'est. Vous pouvez l'utiliser en interactif en direct. Hein. Si je fais show exam code, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc vous avez des protocoles. Vous pouvez l'utiliser en curl, CURL, JavaScript. Donc là, voilà comment utiliser l'outil en JavaScript pour les mettre sur vos propres applications. Yes, 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 Joseph, ça permet de faire du routing. Donc là, je présente Open Route Service. C'est très très puissant. Ça permet de faire du routing, d'isochrone, optimisation de déplacement.
Donc voilà, donc ça c'est pour l'exploiter en JavaScript. Donc ça là c'est très très puissant. En Java, en Perl, en Python, en PHP, en C Sharp, en Objective-C, en Swift. Donc on a tous les langages du monde, ça c'est cool. Node.js si l'on souhaite. Voilà. Donc c'est très puissant et ça permet d'exploiter l'API au travers de différents langages. Si vous voulez automatiser ou créer une application basée sur cette API. Donc ça c'est cool, ça c'est super, ces docs là sont super utiles. Donc ça c'était pour le volet doc. On a vu le volet service, on a vu le volet API. Et donc là, on va voir le volet carte. Alors là, c'était juste pour le volet autre. Le volet les services qui ont été. Les services qui ont été créés. Donc là, c'était juste pour créer. Voilà, c'est un exemple de service basé sur OpenRoute Service qui permet. Une carte interactive qui permet de charger son lieu de vaccination le plus proche en fonction de ça, d'un lieu. Voilà. Donc maintenant, on va voir le volet carte interactive pour voir comment bâtir, voilà, comment faire des petites requêtes, des petites analyses, sachant que OpenRoute Service est disponible directement dans QGIS. Et ça, on verra dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc ça, c'est l'interface web d'OpenRoute Service, d'accord? Donc, on peut faire des mesures, dessiner, etc., des formes, des éléments. Donc, voilà, donc ici, on va mettre une place, comme ils disent. Bon, on va mettre Nice. J'habite à Nice, donc on met Nice. Voyez, ouais, Nice, France, super. Ouais, ça permet de faire du routing, Joseph. Donc, c'est vraiment très puissant. Donc, Nice. Ah, c'est marrant ce découpage, c'est quoi ça? C'est bizarre comment il a découpé. Il y a Nice et ça c'est quoi? Bref. Donc voilà, donc ça c'est Nice. Et à partir de là, j'ai accès à tout un tas de services. Donc ok. Show all feature, qu'est-ce que c'est ça? Donc on va voir, je découvre un peu, bon, je découvre, je connais un peu, mais on va tester tranquillement ça tous ensemble. Là, on est là, on est tranquille. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Donc là, il n'y a rien, et là, c'est pour changer les fonds de carte, j'imagine. Ouais, voilà. Non, classique, classique. Donc là, voilà, c'est Nice. Donc je veux mettre. Ok, donc place info, on copie coordonnées, on colle. Okay. Yes, alors, on peut l'ajouter avec l'IFL. Alors, il y a plusieurs choses, Joseph. Déjà, on peut télécharger carrément l'application et l'installer en local, parce que c'est aussi disponible en open source et on y reviendra à la fin. Et c'est une API, donc on peut l'interfacer directement avec l'IFLET. Yes. Donc là, on va mettre profil bike. Allez hop, c'est parti. Donc on va de Nice et on va faire un petit itinéraire. Nice à. On va mettre Cannes, au hasard. Nice Cannes, voilà, donc 27 km à peu près. Salut à tous, salut, n'hésitez pas à vous liker, à vous abonner et donnez-moi le soutien de la chaîne si vous trouvez que c'est pertinent. Donc voilà, donc ça c'est une scan et un profil bike, d'accord. Donc on va patienter, on va voir ce qui se passe et on va voir l'itinéraire comment faire pour aller de Nice à Cannes en vélo. Voilà, donc il nous a sorti quelque chose, on va aller voir. Je regarde un peu les paramètres et les options, hein. Je trifouille. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc d'accord, ça c'est la langue de l'élément. Tac tac tac. Advance. Ok, ça c'est pour les paramètres de la carte interactive. Donc ça se télécharge, Joseph. C'est gra... Alors, c'est open source l'outil et c'est payant à partir d'un certain nombre de requêtes. Pour répondre à ta question. Il y a le schéma qui décrit ça. Voilà, ça c'est les résultats. 2h, 7 minutes, etc. de la requête. Voilà. Voilà. Là, tac tac tac. Donc j'ai une route. J'ai un road trip, j'ai instructions donc pour se déplacer. Donc vous voyez bord de mer, c'est vrai je crois, c'est possible de faire ça en bord de mer, en longeant le bord de mer. Voilà. Donc ça c'est les éléments qui constituent le déplacement, la route. On a le profil topo, d'accord, le dénivelé de l'itinéraire. On peut définir. Alors ça c'est l'itinéraire recommandé. On peut définir des options sur la route, voilà, tac, 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 si on souhaite, si on a certaines contraintes.
et alternative route. Donc c'est basé sur une OpenStreetMap. Donc d'accord. Des éléments de poids, de nombre de routes, etc., etc. Donc voilà. Donc ça sont les options de déplacement. Donc on va voir. Donc ça, si vous voulez mettre des petites contraintes quand vous vous déplacez, ça c'est vous qui choisissez. Ça c'est le résumé. Vous pouvez partager ça avec des personnes si vous souhaitez. Donc soit un iframe, soit autre. Et vous pouvez enfin télécharger la donnée au format GeoJSON ou quoi, donc au format SIG si vous souhaitez. Ça c'est très intéressant, très très intéressant. Donc là je fais un itinéraire classique, voilà, se déplacer, machin. Tu veux dire sur quoi, Joseph? Tu veux dire... J'ai une question, comment ajouter des photos, des images, un peu comme dans Google quand je clique sur un marqueur? Tu veux dire dans quoi? Dans QGIS, tu veux dire, Joseph? Tu veux dire dans le QGIS, pour les marqueurs et tout? Là, j'ai cliqué sur Outtrip pour voir un peu ce que c'est. Donc tap point random feed. Je sais pas du tout ce que c'est road trip. Hein. Donc là, il m'a fait un road trip. Apparemment. Donc un road trip, d'accord. Comment faire un tour? Oh, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Donc tac, je ferme. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Pardon. Voilà comment faire un road trip en vélo en fonction de contraintes. Donc là. La longueur du road trip. Ah, c'est cool pour courir ça. Le nombre de points et random seed. Qu'est-ce que random seed? D'accord. Random seed, donc point c'est. D'accord, c'est pour créer des routes. Et là, c'est la longueur du road trip. Donc là, on a mis 10 km. C'est cool ça. Putain, c'est vachement cool. Si je mets. On va mettre au lieu de 10, on va mettre autre chose. Ah oui, c'est possible. C'est possible. Oui, on peut. Oui, bah, comment ajouter des photos et des marqueurs? Ah ah! J'ai un outil qui permet de générer des cartes OpenLayer automatiques en fonction de données SIG. Ça sera une vidéo qui arrive. Donc là, je fais 5. Là, on a l'altitude du road trip. Donc là, on voit distance 11 km. On va voir ce qu'il va. Hop! Ah oui, 5, c'est super ça! C'est super! Ça permet de générer des road trips autour d'un point. Cool. 10 minutes, 35, 10 km, 35 minutes en vélo. Ouais, 10 km, c'est long. 10 km, tu les fais en quoi? Moi, 10 km, j'ai fait 40 minutes en courant. Donc, non, 50. Donc, en vélo, c'est 25. Voilà. Donc, ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Donc, voilà comment générer des road trips à partir d'un point. Oui, c'est possible. Faut que je fasse des vidéos sur OpenLayer. Hein, c'est prévu. Hein, c'est prévu. Donc, voilà. Donc, voilà, ça, c'est les générateurs de road trip. Donc, c'est super. Et bien sûr, on peut télécharger la donnée une fois que c'est généré. Ok. On peut rajouter des points. Et donc là, on va faire find and go, d'accord. Find and go. Et là, on voit reach. Qu'est-ce qui se passe avec reach? Donc, merci à tous d'être là. Et donc l'intérêt, c'est qu'on peut télécharger les données au format SIG pour après les utiliser dans son SIG. Donc ok, ça c'était pour l'option road trip. Maintenant, moi, ce que je veux faire, c'est le volet après la gestion des road trips. Tac, 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 tac. Moi, ce que je veux, c'est le volet isochrone. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, je veux générer des isochrones. Alors, est-ce que c'est possible ou pas? Tac. En plus, alors. Find a place, donc on va cliquer sur la carte, on va mettre ce point-là, le que j'ai, voilà. Tac, voilà, donc. Non. Donc là, et qu'est-ce qui se passe? Je clique à direction from here, go to here. Voilà. Donc c'est direction toujours. Et là, on va faire direction à partir de là. Clic droit, direction à partir de là. D'accord. Et destination,
On peut faire la voie la plus courte, etc. Donc c'est pas mal. Donc, tac, tac, tac. Comment faire des isochrones? Donc, on va voir si je mets au trip, qu'est-ce qui se passe? Donc j'attends, j'ai un peu fermé des trucs qui servent plus à rien maintenant. On va essayer de générer un isochrone. Donc là il m'a fait un road trip, ok, on est content, comme tout à l'heure. Et si je fais plutôt ça, add the place input. Donc, ce qui est bien, c'est un outil SIG Web que vous pouvez installer en local sur votre PC. Ok, donc. C'est quoi ça? D'accord, ok, non, je ne veux pas le menu. Merci, au revoir. Et si je fais Reach, qu'est-ce qui se passe? Allez, donc, ça, c'est les options du. Routing. Ok, donc on va réactualiser parce que c'est pas du tout ce que je veux faire. Maintenant, je veux faire un isochrone. Distance de matrice, isochrone et tutti quanti. Donc on va voir. D'accord, on voit l'API et le token, j'ai envie de dire. Ok, donc on supprime ça et on supprime ça. Donc maintenant, on va faire allez, du routing. On va remettre Nice. Tac. Et on va voir ce qui se passe. Pas ce que c'est ça, mais on peut supprimer ce marqueur. Allez, ah, je crois que j'ai trouvé. Ouais. Oh mince. Parce que là, j'ai rajouté un marqueur. Tac. Donc vous pouvez dessiner sur la carte aussi. Et on va zoomer sur. Donc c'est assez bien fait, hein. Les fonctionnalités cartographiques et de navigation sont bien faites. Ça, c'est vraiment un exemple d'interface épurée. Je constate que beaucoup de cartes interactives tournent sur Leaflet, hein. Ah. Ah ouais. Ah, c'est clair que c'est surpuissant. Oh là là, ça commence à me gaver ça. Allez, on actualise. Alors, je sais pas si pour avoir les isochrones, il faut être connecté. Ça, c'est possible. Vous pouvez créer un compte gratuitement et après vous connecter et générer des analyses de déplacement, l'optimisation et tout notamment. Donc voilà, Nice, je cherche. On les calcule route, je sais pas ce qu'ils calculent, on verra bien. Nice en vélo, profil bike, ok, route, je sais pas d'où à où.
Ah d'accord, il m'a fait un road trip. Moi, je veux plus de road trip, on a compris. Donc là, il y a un petit détail sur Nice, tac tac tac, c'est super. Sauf que si tu pouvais zoomer sur Nice, ce serait bien.